Pivette, c'est Jonas Fan. Oula, il y a plein de commentaires. Désolée, j'ai pas pu lancer le live plus tôt. C'est de la folie. Les Parisiennes ont gagné 5 buts à 0. Moi, je suis extrêmement contente en fait de ce score pour le Paris Saint-Germain. Je suis gelée. Alors, les mecs, ils ont gagné 1-0 face à Rennes au Parc. Moi, j'étais pas au parc, j'ai revendu ma place, je vous expliquais. J'étais au camp des loges, au stade Georges Lefebvre, pour regarder les filles. Donc, on avait des buts de Sarah Dabrice, des buts de Gayoro, des buts de Katoto et un but de Baltimore. Donc, franchement, très 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 bon match. Mais d'après ce que j'ai pu suivre vite fait sur ce qui s'est passé, pardon, chez les mecs. Oh, c'était pas ouf. Alors moi je vois qu'il y a Fonandroid sur le chat. Il y a Imed, il y a Mohan Mekrez. Bonsoir, j'espère que ça va. Ouais. Il y a Sabrina qui est là, Fonandroid, Angie. Ça fait plaisir, Jeff. Une invasion de chats. Oula! Non, Nicky, il est pas là. Donc du coup, ouais, le temps que je sorte. Parce qu'il fallait que je sorte du stade, fallait marcher et tout, et j'étais le temps que je réchauffe un petit peu mes mains parce que je ne pouvais plus rien faire. Bah voilà, franchement, je vous dis, j'ai les pieds gelés. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de voir le match. C'est la dernière de Guillaume, l'intendant du Paris Saint-Germain féminin, qui va commencer en mars à Bordeaux. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir eu l'opportunité de le rencontrer. Wow, on est 6, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit pouce sur le live. Donc voilà, je vais faire coucou Edine, ça va? Hey, j'ai froid, j'ai froid. Quand je te dis j'ai froid, j'ai hyper froid. Donc, alors, je vais vous dire, le match pour moi s'est très bien passé pour les filles. Les joueuses de Dijon n'ont pas forcément donné beaucoup de difficultés aux Parisiennes, surtout, mais surtout à la première mi-temps. On va dire que à la première mi-temps, le match ne se jouait que sur la moitié d'un terrain. Je sors d'un match au stade. Et moi, je suis équipée, hein. Et sinon, j'ai trop froid. C'est trop froid. Là, franchement, moi, je blague pas. Là, vous voyez l'écharpe du PSG et tout, mais là, j'ai aussi le cache-cou, voilà, qui est tout autour, pour pas avoir froid, c'est juste mes extrémités, en fait, des doigts. L'étoile sur mon pseudo t'a fait rigoler. Ah, mais oui, bah ouais, moi aussi je veux des étoiles. Moi je veux plein d'étoiles. Et ouais, bah moi tu vois, comme tu viens d'arriver, Edine, des big up à Edine. Franchement, allez regarder ces vidéos. Il y a de quoi rire en ce moment. Voilà, il y a un peu du hors-foot. Il y a de quoi rire. Eh, moi, je blague pas. Eh, j'ai un truc manche longue et j'ai la grosse doudoune. Eh, je suis prête à aller au ski, moi. Et en plus, le bonnet, je vais peut-être l'enlever là parce que je suis en bagnole. C'est bon. J'ai plus de coupe, j'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. Niki la bouillette, il est là pour réchauffer. Eh, franchement, il m'aurait détruit ma voiture. Il aurait détruit ma voiture. Ça, c'est sûr. Eh, je crois que c'est la première fois que je fais un live dans ma voiture. Eh, je pouvais pas le faire dehors. J'étais mort, 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 mort. Là, j'ai mis le chauffage et je bouge pas en fait. J'attends de me réchauffer de toute façon pour partir. Pour Paris, vous avez l'équipe, mais voilà, l'étoile pour le championnat, vous pourrez l'avoir. Bah en fait, il suffit que le Paris Saint-Germain joue bien pour avoir l'étoile par rapport au nombre de titres qu'ils ont eu. Sinon, bah la Ligue des Champions, quoi. C'est plus compliqué. Ouais, bah Saint-Étienne, eux, ils l'ont fait, hein. Mohamed, éliminé par Nice 4-1. Ouais, c'est vrai. Marseille, les Marseillais sont sortis en Coupe de France. Bah Nice, ça m'étonne pas en fait, parce qu'ils ont sorti Paris, ils ont sorti Marseille, ils ont le coach qu'il faut, Galtier. Ils sont bien, ils sont dauphins, ils sont bien dans le classement. Donc il n'y a pas de grande surprise en fait. Nice, on marque avec des fautes et hors-jeu, rien d'exceptionnel.
Il n'y avait pas un CSC justement face le match Nice-Marseille. Il me semble qu'il y avait un CSC. En tout cas, nous, là, ce soir, chez les filles, il n'y avait pas de CSC. On a eu pas mal de changements intéressants. Louana est rentrée sur le terrain, ça fait plaisir. Jal Le Guyer a eu enfin un peu de temps de jeu. Voilà, donc ça a bien tourné. Donc il fait bien tourner les filles. Puis à plusieurs occasions, on aurait pu mettre un 6-0. Par contre, l'arbitrage n'était pas ouf, ça je vous dis. Coucou Sabrina! Et en termes d'occasion pour les joueuses de Dijon, franchement, il y a eu une barre, c'est tout, mais franchement, notre gardienne Barbara, elle n'a pas trop eu à se faire, quoi. Imen Parisienne Paris sont sortis par Nice avec des Messi, Neymar, Mbappé. Di Maria, c'est pire. Oui, mais il faut dire que il y avait la CAN aussi, donc on n'avait pas forcément tous nos joueurs. Mais ouais, franchement, de toute façon, moi j'étais dégoûtée. En fait, moi, ce qui m'a dégoûtée, j'aurais aimé avoir un Paris-Marseille. C'est ça. 2-0. Alors 2-0. Il y a Versailles hein, qui sont bien. 2-0 Monaco-Amiens et 2-0 Nantes-Bastia. Ok. Merci. Bravo pour la victoire de Paris, doublé de 4 autos. Hé, 4 autos. Bah justement, j'étais avec les ultras là, ils ont parlé un petit dossier là au Paris Saint-Germain qui est un peu gênant. En fait, c'est 4 autos, elle prend quand quoi. Imen Parisien dit Nice, on a un propriétaire plus riche que M'Cour, Fosse Anthony et Gorille qui sont au-dessus des Guendouzi Payet. Ah là là. 4 autos, la meilleure. Ouais, bah hey, c'est ma 4 autos. Hein. Et elle a fait un bon travail repli défensif. Elle était un peu plus basse à la fin du jeu pour laisser un petit peu Huitema percer devant les buts, même si elle a essayé de percer dans les buts. Ah, et puis le but de Sandy Baltimore. À la fin, sur les dernières secondes, ah là là, elle a failli marquer, hein. Et puis il y a eu le coup franc de Sarah Dabritz sous mes yeux. Un bijou. Et par rapport au mec là, j'ai vu. Et du coup, c'est Versailles, c'est ça. J'ai équipe TikTok. Apparemment, Lyon veut 4 autos. Eh, vous touchez pas à ma 4 autos. Hein. Faut pas toucher à ma 4 autos. Pur produit parisien. Hein. On touche pas à ma 4 autos. Hein. Très, très, très important. Moi, ce serait un arrêt cardiaque. Je vous le dis. Un arrêt cardiaque. Moi, j'aime trop 4 autos. Mais voilà, apparemment Mbappé il aurait marqué à la 93e minute. Franchement, c'est pas ouf, sachant qu'au match aller, Rennes nous a mis 2-0 et on leur met que 1-0 à la 93e minute. Donc franchement, je sais pas, apparemment franchement, je suis contente. Pareil à gagner avec un but de Mbappé, Johanna. Ouais. Yes. Franchement, je suis contente d'avoir été là. Katoto va prolonger, elle aime le PSG, pas comme Morini. Ah, hey, Morini, c'est une traite. Il y a Lindsay, l'ancienne parisienne, qui est en prêt à Lyon. Ça me saoule. Hey, Lyon, arrêtez de piquer nos joueuses. S'il vous plaît, laissez-nous nos joueuses. Tu vois, il y a eu quelques prolongations là. Mais le dossier Katoto est important. Hein. Moi, il y a des joueuses clés comme, tu vois, Sandy, faut pas être touché. Katoto, faut pas toucher. Tu vois, c'est mes joueuses, quoi. Pourquoi tu dis qui ça, Imen? Elle dit quoi, Imen? Dis-leur d'arrêter de me piquer. Ah bon, qui c'est qui t'a piqué, Imen? Ah, par rapport aux Marseillais. Hey, des fois, je me demande s'il n'y a pas plus de Marseillais sur mes chats que de Parisiens. Tu viens là dans ta voiture. Eh ouais, c'est la première. Faut bien. Katoto, c'est Mbappé. Ouais, sauf que Katoto, elle a fait un doublé. Et ouais, fallait bien que je commence un jour à faire les lives dans la voiture. Mais là, franchement, je pouvais pas être dehors. Là, il fait trop froid. Il faut que je retrouve l'usage de mes mains. Donc voilà, chose privée que vous apprenez sur moi. J'ai le permis. J'ai le permis de conduire. Très important. De toute façon, franchement, pour aller au camp des loges, t'as pas de voiture, c'est galère. Il fait du bruit ton manteau, tu as froid? Ouais, j'ai froid, j'ai froid. Il vous entendait le moteur aussi de la voiture. Yes, spécial voiture live. C'est pour ça qu'il y a pas Niki. Mais cette voiture, je l'ai appelée Niki, parce que j'appelle mes voitures. Et j'avais appelé mon chat Laura. Donc, ah, tu vois, il y a Sandy qui est là. Et il y a Sandy qui passe devant ma voiture. Il y
y a Sandy qui passe juste devant ma voiture. Excellent. Ça, non, me dis pas que elle est garée à côté. Je crois qu'elle est garée à côté de moi. Je crois qu'elle est garée à côté de moi. Ah, c'est trop bien, c'est trop marrant. Je vous jure. Et je vous jure, je rigole pas. Je rigole pas, je vous jure. C'est juste à côté. Tu veux quoi, taille, taille, taille. Ils sont juste à côté. Je rigole même pas. Excuse-moi. Oui. Je suis en train de faire un live sur YouTube. Est-ce que je peux te montrer la caméra à 2 secondes et tu fais un coucou à mes abonnés? Coucou. Qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a gagné? C'est nous. Bravo. Eh, hey, encore félicitations. Hein. Merci. Tu vas tout péter. Hein. Tu Merci. Nous mets des buts. Hein. T'en as rien à faire. La Finlande, le Brésil, tu casses tout. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Enfin, moi devant ma télé, toi okay. sur le terrain. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, il y avait Sandy Baltimore sur mon live. Je vous jure, je blague pas. Sa voiture, enfin la voiture était garée juste à côté de la mienne. Un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Jamais tu vois ça, quoi. Voilà, donc il y a un petit coucou là de... Un petit coucou, justement, de Sandy Baltimore sur mon live. Et ça, c'est épique. Ça, tu vois... Ça, c'est, vous avez vu du live sur du, en direct, quoi. Karchaoui oui, était sur le terrain. Ouais. Moi, demain, on va t'aller toi sur le terrain. Eh, hey, mais moi, des fois, hey, je suis sans filtre. Mais c'est vrai. Eh, hey, mais c'est, hey, moi, je réfléchis pas. Je dis les choses cash, quoi. Eh, hey, faut que je fasse plus de live de ma voiture. Ouais, mais elle est convoquée. Demain, elle va voir Corinne Diacre. Donc, Karchaoui, elle salue jamais. Si, si. Elle avait même donné un maillot à la fin de le dernier match de la saison dernière, quoi. Désolée, moi. Moi, désolée. Eh, hey, mais moi, je dis la vérité. Je dis la vérité. Alors, attends. Je vous lis vos messages. Katoto, Sandy Baltimore. C'est ça. Katoto et Mbappé similaires dans leur statut, mais les deux n'ont pas vraiment le même style de jeu et la même mentalité. Sabrina, tu as un TGV de retard. T'as pas mis des gants? Si, j'avais mis les gants. Eh, j'avais mis, mes gants, ils sont où? J'avais mis les gants. Et j'avais, et j'étais obligée de mettre mes mains dans les poches. Tu avais, je sais pas. Pour Dani. Ah bah, j'aurais klaxonné, hein. Oh là là. Mais excellent. Franchement, ce live, hey, ce live, j'adore. J'adore. je crois que la punchline qui va rester la semaine prochaine. Toi sur le terrain, moi devant ma télé. Moi dans mon plumard à bouffer des chips et toi sur le terrain à transpirer ta vie. C'est ça Andy, t'as tout compris. Eh hey, mais moi je dis les choses telles qu'elles sont, tu vois. Je sais pas si je vais au parc. C'est ça, je vais aller direct live, j'adore, excellent. Eh hey, moi j'ai pas le temps, je me suis dit bon, au pire elle dit non, on tente. Ah, j'ai tenté, ça a marché. Après j'ai laissé faire son bis-bis tranquille. Je sais pas non plus que j'ai été la chercher. La meuf, sa voiture était garée juste à côté de la mienne. Donc franchement, enfin, c'est pas elle qui conduisait, mais la voiture dans laquelle elle montait, voilà. J'ai piqué personne. Oh, franchement, en tout cas, c'est marrant, c'est marrant. Je vais rester sur la dose positive, quoi. Tu m'as remonté le moral des hommes, ils m'ont saoulé à part Mbappé. Ouais, mais je comprends. Mais c'est pour à votre avis, pourquoi j'ai vendu ma place? J'ai dit "Hey, j'ai pas le time." je vais voir les filles. Joanna, que veux-tu dire à propos de la mentalité de Katoto et Mbappé? Bah, Mbappé, il a fait quelques déclarations qui m'ont pas trop fait plaisir, tu vois.
Et peut-être qu'il peut pas toujours parler, mais quand il dit ouais, qu'il demande du recrutement, etc. Il y a des choses qui se dit, mais en interne. Eh voilà, le hasard, le hasard. En plus, moi j'adore Sandy. Eh, vous, si vous suivez mes matchs commentés en direct, vous savez que je kiffe ma petite Sandy Baltimore. Vous le savez, vous le savez. Jamie, je suis mariée à un Marseillais. Un jour, ça, ça sera la guerre. Et moi, je lui dis, n'est-ce pas, Jojo? Eh, moi, franchement, t'es mariée avec un Marseillais. Je viens chez toi tous les jours. Je prends mes pop-corn et je vous regarde. Ouais, j'ai vu le match. Rennes a bloqué le jeu, en fait. Ouais, ils ont pas joué. Franchement, je vous dis, 10 euros la place en tribune. Avec 4 euros de frais, donc 14. Et si tu vas en PSA, ça veut dire que tu restes debout en face, c'est 5 euros. Et moi, en fait, je vais en tribune, mais je reste debout quand même. Donc, ouais, Sandy, elle est kiffante. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les filles? Elles ont gagné 5-0, Pascal. 5-0. Genre, avec 5 euros, je te jure, tu peux aller voir un match, les filles. Avec 5 euros. Franchement, non, parce que tu vois, elle était sur le chemin, elle veut rentrer, tu vois, déjà, elle a fait un live. J'aurai d'autres occasions de les recroiser. Les filles sont beaucoup plus abordables hein, que les hommes hein, en fin de match. Parisienne deviendra OM parisienne. Oula, Imen Parisien devra OM parisienne. J'en doute. Elle peut devenir DZ. Elle peut avoir un DZ. J'ai regardé deux matchs en simultané, mais surtout les filles, car les mecs, c'est déprimant. T'as vu, elle est riche? Bah voilà, c'est pour ça, je me suis dit, écoute, tu vas te faire... En plus, je me fais de l'argent. Genre ça... Parce que ce match, je ne m'a rien coûté. J'ai vendu ma place pour acheter celle-ci. Et ça me couvre une partie de mon abonnement du mois de février. Donc, je suis gagnante dans l'histoire. Moi, je rentre et la purge contre Rennes. Mais ouais, mais je vous comprends. Moi, j'ai pas regardé le match. Voilà. Là, j'ai pas. Pardon. J'ai pas suivi les Lyonnaises, mais tout à l'heure, en première mi-temps, je crois qu'elle menait 3-0. Donc, je vais regarder pour le goal à Vera. Je vais regarder ça tranquillement à la maison. Bravo, les filles PSG. 5-0. Oui, les filles ne se prennent pas pour des stars, hein, au moins. Par contre, l'arbitrage, je vous dis, était vraiment dégueulasse, hein. Parce que, franchement, il y a eu des fautes qui n'ont pas été, sifflées. J'aurais dû lui demander, dis Niki, je t'aime. Elle aurait pas compris, la pauvre. Mouloud, oui, il faut le pass vaccinal, c'est ça. Ouais, il y a de grandes chances que Lyon finisse champion, mais il faut pas qu'il fasse le moindre et petit écart. Après, nous, ce qui nous a perturbé, c'est l'affaire Amri Diallo, quoi. Les arbitres sont contre Paris, mais surtout qu'ils sont pas... Enfin, il y a des choses à refaire. Coucou Mitsokino, bienvenue à toi sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la petite cloche pour avoir des alertes. T'as raté Sandy Baltimore qui était présente sur le live. Et, de toute façon, les arbitres sont contre Paris, que ce soit les hommes ou les femmes. C'est ça. Donc, voilà. Eh, mais moi, je... Moi, j'ai la chance d'avoir Sandy sur mon live. Et moi, je dis, je te regarderai. Je te regarderai. Toi, tu seras sur le terrain et moi, à la télé. Ah, attends, il y a quelqu'un qui passe. Je sais pas qui c'est. Non, c'est pas une joueuse. Parce que j'ai vu une doudoune blanche. C'est la faute de la FF à pas avoir accepté la requête du PSG de dépasser le match de novembre. Hé, hey, t'as tout dit, Erich. T'as tout dit. Elles ont gagné 8-0. Non. Ah, merci, Mitsuko, ça fait plaisir. Non, c'est trop. C'est trop. Hé, hey, donc, non, mais franchement, belle soirée. J'ai fait une photo avec Céline Bizet, photo avec Guillaume, l'intendant du Paris Saint-Germain féminin, franchement. Petit coucou de Sandy Baltimore, franchement, qui est garé à droite. Il n'y a plus de voiture, il n'y a personne, il n'y a plus de voiture ni à droite ni à gauche. Je suis toute seule, je suis dégoûtée. Mais je suis... Attendez, je peux peut-être... Alors, attendez. Hop. Je vais peut-être vous montrer. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ah, purée, ça rame. Ça rame. Ah, purée, ça rame. Je sais pas si vous voyez bien. Ça rame, du coup. Non, ça rame.
Ah, je suis désolée, Sarah.